un signe de la main, il m'a dit « à bientôt, maman ». Et on l'a plus revu. Disparu dans des circonstances mystérieuses le 2 septembre 2003 du côté de Nice, le corps de Christophe Dalmasso sera retrouvé un an plus tard. C'était un garçon entier, travailleur. Qui pouvait bien en vouloir à la vie de cet homme d'affaires? C'est un personnage qui fascine, qui avait certainement beaucoup d'amis. Les pistes sont nombreuses. Victime d'accusations terribles, on parle de parricide. Et nous reviendrons également sur d'autres affaires qui n'ont pas encore livré toute leur vérité. Chronique criminelle, présentée par Magali Lunel, demain à 20h50